Alors voici donc dans la verrine, vous avez du melon avec un sorbet au fenouil et sur la plaque une tartelette sablée au vieux rhodesse et à la truite fumée et un macaron au foie gras. Bonne dégustation. La mission vous propose pain de campagne ou baguette. Donc voici, madame, messieurs, en guise d'amuse-bouche, on vous propose un gazpacho accompagné de fromage frais de brebis de la Guérie et d'une tartine de pain grillé aux graines de lin et jambon de Bigorre. Je vous souhaite une bonne dégustation. Avec plaisir. Et voici, donc madame, vous avez la courge Jack B. Little servie avec un bouillon de coquillage, un beurre de fourrage et à côté, vous avez une tartine de cèpe poêlée. Et pour vous, monsieur, donc vous avez l'assiette de calamar et boudin noir, accompagnée d'une purée de fenouil à la pêche et d'une écume menthe bergamote. Bonne dégustation. Alors voici donc pour vous une langoustine poêlée avec une raviole verte, un parfum d'orange et un bouillon basilic. Alors madame, vous avez le veau d'Aveyron et du cigala servi rosé avec un beurre de combava, une pulpe de pommes de terre et amandes et une huile de citron confit gingembre. Pour monsieur, vous avez le filet de merlu de Saint-Jean-de-Luz poêlé, servi avec une pulpe d'aubergine et condiments de tomate avec un parfum de fenouil et monarde. Bon appétit madame, monsieur. Je vais vous les présenter par lait. Donc nous allons commencer par la vache. Nous avons le Laiole 8 mois d'affinage par la ferme Sainte-Geneviève sur Argens, les bouleaux de vache fabriqués à la ferme Laguérie en biologique et la tome de Bronac fabriquée par M. Fage-Galtier. En brebis, nous avons les crottins de brebis fabriqués à la ferme Laguérie en biologique, la tome d'Eraspe fabriquée à Viala du Tarn et la tome du Vézou fabriquée à Prat de Salard. Et pour terminer, le roquefort vieux berger fabriqué aux Farguettes. Et en chèvre, nous avons les cabécous de Clairvaux fabriqués par Mme Bendo. Et pour accompagner cela, une confiture faite maison, fraises, rhubarbe, épices. Donc voici un pré-dessert, c'est un granité cassis avec une mousse à la gentiane. Vous avez une petite cuillère ici pour la dégustation. Donc madame, vous avez une pêche rôtie servie avec un jus verveine et une crème aux fruits secs accompagnée de fruits rouges. Et pour monsieur, c'est la prune reine Claude dans un beignet accompagnée d'une glace à l'huile d'amandon et d'une pulpe de potimarron avec un caramel au citron. Voilà, bonne dégustation. Nous vous servons les financiers au citron et les caramels aux fruits secs. Finir le repas. Ils s'attendent avec la facilité.